Avant de taper la balle, tu as fait des coups dans le vide. À quoi ça sert ? Alors j'ai effectivement fait une routine particulière pour préparer ce coup de bois. C'est-à-dire que j'ai fait des mouvements en partant de la traversée, donc de la gauche, et en allant vers l'arrière, ensuite, avec des mouvements de balayage, pour rechercher un angle d'attaque particulier pour les bois qui est plus horizontal. Et à partir de ces swings d'essai, je laisse aller mon swing, je fais un swing complet. Y a-t-il un autre point technique auquel on doit faire attention ? Je fais très attention au positionnement de la balle, qui va être placée plutôt à gauche, en relation avec mon épaule gauche, et avec le corps, le centre de gravité, l'axe sternum-nombril, qui est plutôt en arrière de la balle. À partir de là, je pense à mon balayage, et je joue. Et tu utilises souvent ton bois ? Je vais l'utiliser si la balle est très bien placée. On dit que la balle est bien layée. À partir de là, je peux l'utiliser soit dans le rough, soit sur le fairway, pour faire de grandes distances. Tu conseilles le bois 3 pour les débutants ? Alors moi, je conseille pour les débutants plutôt un bois 5 ou un bois 7, qui va être un peu plus ouvert et qui va être beaucoup plus facile à jouer. Toujours quand la balle repose bien, qu'elle est bien placée.